peux répondre à deux ou trois questions. J'avais une question, mais je crois que la question a été soulignée pendant le message. Et j'ai même prié à partir de cette question-là. Et ma question était la suivante. Savoir si, en tant qu'épouse, c'est possible de soumettre à ton mari des décisions spirituelles. Est-ce que c'est possible de dire à ton mari, est-ce que ce matin, on doit faire le culte familial? Ou est-ce que c'est possible de réveiller ton mari le matin, pendant qu'il est fatigué, c'est possible de le réveiller pour dire, lis ta Bible, médite. Parce que je me disais qu'en le faisant, il va se dire que tu te crois plus spirituel que lui. Mais bon, par moments, je me disais, bon, c'est pas possible parce que. Il peut le faire avec le temps. Mais je crois que ce matin, à travers le message qui a été donné, beaucoup de kibok ont été élevés. Amen. Alléluia. Il faut. Je pense que un mari normal doit demander de l'aide à sa femme. Tu peux être fatigué, ta femme peut te fortifier. Et elle doit le faire. Moi, je m'abuse souvent, je dis à la Sainte Colette, au nom de Jésus, lève-toi. Quand il y a le jeune, par exemple, tu es là, tu traînes, je dis au nom de Jésus, lève-toi. Pour m'amuser, et puis dis au nom de Jésus, lève-toi. Et puis je me lève. Ça c'est pour le budget. Mais un mari normal, s'il y a la terreur, c'est qu'il y a un rapport malsain entre vous. Il ne faut pas que la femme ait peur de dire à son mari, toi tu ne gênes pas. Ton époux peut te délivrer de la crainte du jeûne. Ta femme peut te dire que si tu as retourné, hein, que tu as pris du poids, il faut diminuer un peu, il ne faut pas te fâcher. Est-ce que nous sommes ensemble? Il ne faut pas dire, il va se dire que je suis orgueilleuse. Ce qu'on va dire par la suite peut résoudre ce problème-là. Qui d'autre a une question? Par rapport à la question de la sœur, le Seigneur m'a béni avec une épouse merveilleuse qui aime Dieu, qui craint Dieu et qui poursuit Dieu de façon dynamique. Et sa manière de chercher Dieu est un défi pour moi-même. Et elle est un grand sujet d'encouragement. Généralement, avec la pression à Abidjan, frère, quand on a dormi tôt, c'est 1h, 2h. La plupart du temps, on mange à 1h du matin, minuit. Quand je viens au lit, 2h du matin. Le temps de finir, rentrer. Quand le matin arrive pour aller au culte familial, frère, c'est comme la guerre. C'est elle qui se réveille. Elle cherche Dieu. Elle me réveille. Elle dit, même si tu n'as pas encore cherché Dieu, allons d'abord au culte familial, après tu vas continuer. Pour le culte familial, elle ne me laisse pas. Elle va. Quand je ne la rejoins pas, elle revient dans la chambre. Quand je dors, la paume de mes pieds, là, elle gratte. Souvent, je ris, je lui dis, mais toi aussi, il faut me réveiller avec amour. Je fais la paume de mes pieds. Mais je reconnais que grâce à son aide,
je suis là, au culte familial. Sinon, c'est pas facile. Alléluia. Amen. Et ça fait déjà des années, elle s'est engagée à lire la Bible au moins un chapitre chaque nuit avant d'aller au lit. Et elle est fidèle tous les jours. Je la regarde, je dis, oh Dieu, donne-moi d'être content. Il y a eu des moments où dans le secret, j'ai essayé de faire comme elle. Je tombe, je reprends. En fait, je prie que beaucoup de choses dans lesquelles le Seigneur a donné la victoire m'impactent. Que je me laisse impacter, influencer. Et donc, je vais dire que ton épouse peut être une grande bénédiction. Elle est même une grande bénédiction. Souvent, quand on prend les retraites, comme elle a une grande capacité de lecture, je lui dis, nous allons faire un concours de lecture biblique. On a une heure de lecture. Frère, quand une heure, quand on finit l'heure, elle est déjà 10 chapitres, 15 chapitres, moi je tourne dans les 3, 5. Mais c'est, ça m'aide. Alléluia. Amen. Donc je veux dire que si par orgueil, nous ne laissons pas nos épouses nous aider, frère, nous avons perdu même, raté. Nous avons perdu. Elle est là, son travail même, c'est de nous aider. L'aide convenable. Et pour moi, je l'encourage toujours à m'aider. Toujours. Quand elle me réveille pour aller faire ça, aller chercher Dieu, aller au culte familial, je lui dis merci. Et nous n'avons jamais fait par là pour ça. Jamais. Je suis même reconnaissant au Seigneur de ce qu'elle m'aide. Gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Cher de frère, le frère Germain de Gonzague, j'ai pour épouse Élise de Gonzague, ici, assis dans ma gauche ici. Alors, je voudrais, en rapport avec la sœur Brouillon, ajouter quelque chose de très important. Je vais d'abord dire merci à Dieu parce que je n'avais pas prévu être ici, honnêtement. J'ai tellement de fardeaux, vous connaissez mon fardeau, à dire quoi. Donc ça fait que quand il m'a dit ça, il a dit, viens, faut me laisser. Mais il a dit, non, faut venir, viens. Et je suis béni. Santé de me restaurer, me fait du bien. Gloire à Dieu. Amen. Par rapport à l'aide dont la sœur est en train d'évoquer, je ne suis pas un grand gêneur. Le jeûne, ce n'est pas mon point fort. Et quand la sœur, nous sommes mis ensemble dans ma vie, comme dit souvent le leader, le jeûne multiple, les 3 jours de jeûne complet, là, il n'y a pas de problème. Et en ce moment, je travaille comme auditeur, je me souviens très bien, et nous devions commencer un jeûne de 3 jours. Et là, l'audit, il faut être très, très fort. Devant, à l'époque, c'était monsieur qui était le dirigeant du corps. Donc, il fallait aller parler avec le monsieur directeur. J'étais fatigué. J'ai appelé la sœur pour dire vraiment, Dieu m'a parlé, le jeûne, le but atteint, on va rendre le jeûne. Il a dit, toi, il faut arrêter le jeûne, on va continuer. Frère, j'ai été touché. Mais j'ai arrêté, mais j'ai eu le feu, j'arrive. Et c'est parti. Et un jour, la sœur tous les jeunes. Un ancien doit quand même faire 42 jeunes. C'est là que tout a commencé. Un ancien qui ne veut pas 42 jours, il dit, ça t'a fait si. Il faut que je fasse 42 jours. Et mon épouse m'a montré la stratégie. Elle t'a dit que tu bouges tôt. Donc il faut aller doucement. 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 Mais j'ai vu, elle était ma santé. Si tu ne veux pas te monter, tu te descends. À l'époque, ils n'avaient pas de véhicule. Et c'était difficile. La sœur m'a montré toutes les stratégies. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu faire, grâce à elle, mon premier jeûne de 40 jours. Alléluia. Et après, ça, je suis très fort dans le jeûne. Alléluia. Et moi,
commençait par la coacher maintenant. Elle dit, maman, allons-y, c'est moi maintenant qui dirige. Après, elle m'a bâti. Même la prière, je ne suis pas aussi très fort. Souvent, papa, la toile, qui soit bien, vraiment, je suis fatigué. C'est les chiffres, ça fatigue. Les chiffres battent les nerfs. Donc, ce n'est pas facile. Des moments, je suis fatigué. Puis, j'arrive. Elle se lève, je suis couché. Elle dit, couche-toi, on va prier. Je suis couché un peu en prière. Faut dire que la femme, vraiment, vraiment, c'est même quand il y a les messages la veille, papa, tu vas clasher demain. Comment ça te prépare? Retire-toi. Donc, elle veille. Et quand il me lève, effectivement, elle reste à la chambre, elle prie autant que je me suis retiré là-bas. L'autre qui m'a frappé, c'est que tous mes messages, elle enregistrait. Et puis, elle vient à la maison, elle dit, là, tu as dit le, à la place de là. Tu vas dire ici, il ne doit pas être là. Donc, mon ami, il faut corriger ici. On dit là, on n'est pas là. C'est ça. Voilà. Parce qu'elle veut bâtir, non. La femme bâtit son mari. Et ça m'aide. Elle faut t'écouter, écoute tes messages. Et je m'écoute. Je ne refuse pas. Souvent, en masse, elle dit, maman, il faut laisser. C'est ce que je Mais après, elle dit, non, il faut écouter. Parce que tu es un enfant de mec. C'est pas même le conseil des gars qu'on pas fait. Et je me mets là, elle est plus loin. Elle dit, tu t'habilles comme lui, mais tu n'es pas comme lui. Bon, le but d'esprit, vous pouvez comprendre la vie. Que nos femmes travaillent. Tu t'habilles bien, c'est vrai, mais ce qui est dedans n'est pas comme lui. Il faut faire comme lui. Et puis, je corrige. Il m'a dit, Seigneur, je suis en train de tendre vers ce que le Seigneur a fait. Donc, vous dites que la femme est très utile dans la vie de son mari. Que Dieu bénisse. Amen. J'aimerais poser une question au leader. J'ai pas compris quelque chose tout à l'heure. Il a dit que le foyer est le premier cadre où l'homme travaille le caractère. Alléluia. Donc, je ne sais pas s'il est paraphrasé, mais peut-être l'idée est là. J'aimerais savoir de précisément de quel caractère qu'il faut travailler. Quels sont les caractères qu'il faut travailler, si on peut les identifier? C'est-à-dire que le croyant est appelé à revêtir le caractère de Jésus. Il doit vivre la vie de Jésus dans ce monde. C'est-à-dire qu'il est patient, il aime les gens, il donne, il pardonne. Donc quand tu te maries, quand tu es seul, tu n'as pas de problème. Tu es seul dans ta chambre, tu jettes ta chemise où tu veux. Et tu te lèves quand tu peux. Maintenant, quand tu es marié, il faut déjà te comporter en tenant compte de l'autre. Ça façonne le caractère de Jésus. L'autre peut te reprendre, comme elle pose la question avec beaucoup de méthodes. Là. C'est-à-dire que si je réveille mon mari maintenant, il va me dire, mais tu crois que tu es spirituel? Mais le foyer est l'endroit où on peut te réveiller quand tu ne veux pas. Tu es fatigué, ta femme vient et dit, lève-toi, tu pries. Le moi te dit, mais c'est quoi? Si tu dis, non, elle est en train de m'aider. Tu as travaillé le caractère de Christ. À un moment donné, tu verras que certains deviennent des hommes de jeûne et de lecteurs de la Bible. Parce que la femme m'a encouragé. Et la femme peut aussi être bâtie par le mari. Elle ne doit pas se fâcher. Et l'homme peut être aidé par sa femme. Il ne doit pas se fâcher. En fait, l'église est aussi le lieu où nous sommes appelés à vivre nécessairement ensemble. Et quand tu dois vivre avec les gens, un veut la clé, l'autre dit il faut arrêter. Maintenant, ceux qui acceptent que les autres jouissent de la clim, ils sont morts en eux. C'est-à-dire qu'ils ont revêtu quelque chose du caractère de Christ. Ils aimeraient qu'on arrête tout, mais quand, comme tout le monde n'est pas d'accord, ils supportent le foi et puis on avance. Alléluia. Amen. Donc, il faut apprendre à vivre pour les autres. Il faut rendre le conjoint heureux. Dans le monde, il y a une conception négative du mariage. L'homme pense qu'il est fort. La femme doit sortir de sa maison.
Il dit la femme mange sa nourriture. Vous voyez comment les gens conçoivent la discussion. De telle sorte que les mots seulement que l'on prononce, la femme comme se met à pleurer. Alléluia. Donc, la relation éprouve notre sincérité. Je suis fatigué, je veux me reposer, donc tu me dis, allons-y. Il faut qu'on arrive à l'heure. Je suis obligé d'éliminer mon repos parce que tu veux qu'on arrive à l'heure. Donc, ça façonne le caractère de Christ. C'est pour cette raison qu'on a dit l'amour n'est pas la sexualité. Il y a des gens, dans leur tête, parce qu'ils ont des rapports sexuels avec les femmes, ça suffit. Non, la femme n'est pas là pour ça. Quand on étudie, la femme a d'autres préoccupations, plus élevées même. Plus élevées. La femme veut te voir parmi les anciennes, parce que l'instinct de la femme même se promouvant son mari. Quand la femme te parle de son mari, ah, mon mari, quand lui, mon mari, mon mari, mon mari. Quand il n'y a rien à dire, ça lui fait mal. Chaque femme aimerait dire que mon mari a fait ceci, mon mari a fait cela. Quand c'est froid, elle a des problèmes, elle a des complexes. Alléluia. Deuxième question, troisième question. Oui. Je suis le frère Maman Sylvain. On faisait des disciples, c'est vrai, Jean-Jacques. Est-ce qu'il y a un cadre idéal ou un moment idéal pour parler à son mari ou à sa femme? En tout cas, c'est le domaine de la communication. Hein. On dit en communication que communiquer, c'est manipuler l'espace, le temps, les circonstances, les événements. C'est-à-dire, tout est idéal pour un communicateur. Même ces moments-ci, tu peux communiquer. Donc, quand tu es quelque part, tu te poses la question, comment puis-je utiliser ça pour parler? Ce n'est pas qu'il faut se fixer des cadres, il faut savoir manipuler les cadres. C'est-à-dire, les tourner à ton avantage. Sinon, il n'y a pas moyen. Même devant un cadavre, tu peux profiter, tu dis, chérie, viens ici. Tu vois ce que j'ai dit souvent là, tu vois. Il est parti, hein. Tu as communiqué, tu as dit quelque chose au moment opportun, là où les gens ne pensent même pas que tu peux dire quelque chose. Donc, ce qu'il faut éviter, c'est d'essayer d'enseigner quelqu'un quand vous avez des crises. Il ne faut même pas essayer. Quand il y a une crise, tu dis écoute-moi. Il y a déjà une crise, ça veut dire qu'il y a une situation qui vous a échappé. Donc la maîtrise vous a échappé. Avant de parler, éliminez d'abord cet élément-là. Enlevez d'abord cette crise-là. Si elle dit que l'argent de Popo est fini, tu lui dis, je t'ai donné ça hier. Elle te dit, c'est fini. Avant de donner des leçons, tu donnes d'abord. Là, la crise est finie. Le fruit de la justice est semé dans la paix. Voilà. Par ceux qui recherchent la paix. Il faut toujours cultiver la paix avant d'enseigner. C'est biblique, c'est écrit. Jean 3, verset 18. On sème la paix dans la paix. Et tu as des bons résultats. Parlons un peu des besoins. Une étude attentive des Saintes Écritures nous révèle que les besoins, c'est-à-dire nos besoins, exercent sur nous une très forte pression. Les besoins tyrannisent les gens. Vous notez que le besoin est une nécessité. C'est une aspiration naturelle. Le besoin est une nécessité.
une aspiration naturelle et vitale au bien-être. Le besoin est une nécessité, une aspiration naturelle et vitale au bien-être. Les besoins sont communs à tous les êtres humains. Certains philosophes comme Freud, il n'est pas philosophe, il est maître de la psychanalyse. Pour lui, il y a deux types de besoins fondamentaux qui sont à l'arrière-plan de tout homme. Il y a le besoin de puissance et le besoin du plaisir. Et chez lui, il parle principalement du plaisir sexuel. Ce qu'il faut noter, c'est que la personne qui sait gérer ses besoins connaît un grand équilibre. Il y a un économiste qu'on cite souvent, Abraham Maslow, qui a essayé d'établir une hiérarchie des besoins. Pour lui, il y a les besoins primaires, il y a les besoins secondaires, il y a les besoins supérieurs. Donc, il se sert d'une pyramide. Il montre qu'à la base de la pyramide, il y a les besoins physiologiques comme manger, dormir, boire et procréer. Après, il y a les besoins de sécurité. Après, il y a les besoins d'aimer ou d'être aimé. Il y a le besoin d'estime. Après, il y a le besoin de se réaliser, c'est-à-dire de la réalisation de soi. Ceci est important parce que tous les hommes, même moi qui parle, j'ai ses besoins, ta femme a ses besoins, le mari a ses besoins. Quand il faut donner à manger à quelqu'un, donne-lui à manger. Ne lui dis pas que tu sais que je t'aime plus que tout le monde. Le besoin d'amour est réel, mais le besoin de nourriture est fondamental pour lui. Une soeur qui se plaignait que son mari ne veut pas qu'elle serve son faisait des disciples. Je suis allé maintenant écouter le mari. Le frère dit, frère, ma femme sait que j'aime la salade. Elle prépare. Elle prend tout. Elle va chez son faisait des disciples. Et je suis là. Elle ne me donne rien. J'avais la salade. Est-ce que tu peux imaginer que ce monsieur-là souffre parce qu'elle n'a pas mangé la salade? Et quand il veut se plaindre, tu dis, tu sais que je t'aime. Lui, il ne croit pas. Est-ce que nous sommes ensemble? Ou alors tu donnes à manger à quelqu'un, ouais. Quand tu as une mission, tu appelles parce que l'homme vient. Tu lui fais confiance, tu l'envoies. Lui, tu lui donnes à manger. Il se dit que tu l'aimes. Tu n'as pas d'estime, tu ne le considères pas. Comment, ce qui est important là, tu envoies le passé l'homme. Mais pour manger là, tu l'appelles. Vous voyez? Donc l'homme a des besoins, les mêmes besoins, tout le monde a ça. C'est pour cette raison que le Seigneur m'a fait comprendre en 2020 que je dois traiter les besoins comme dans le chapitre de délivrance. Et il y a tout un message dessus. La Bible même organise, il dit, ne vous inquiétez de rien, faites connaître vos besoins. Ça veut dire que les besoins troublent les gens. Quand tu n'as pas de loyer, tu as des problèmes. Même si on t'exhorte, il faut tenir ferme tout ça. Tu sais que le propriétaire arrive. Donc, on prie, on jeûne. Maintenant, ce que tu peux faire pour mettre ton conjoint en sécurité, fais-le. Ça va nous délivrer. Sinon, tu auras quelqu'un qui n'est pas là. Quelqu'un qui n'est pas là. Une femme te dit, je veux acheter une voiture.
que non, ça c'est les affaires du monde. Elle, tu l'aimes, c'est bien, tu as de l'estime, elle a la sécurité, mais elle veut se réaliser. Tu dis non. On construit une maison, tu dis non. Tout ce qui est réalisation de soi pour montrer qu'il a grandi dans la société, tu dis non. Ah, c'est comme ça. L'amour va finir. Ça va commencer des crises qui vont s'aggraver. Alléluia. Il faut savoir discerner que à cet âge-ci, on ne joue pas avec tel projet dans la vie des gens. Il y a un âge, on décide de dire, je veux acheter un terrain. Tu dis, attends, on va prier. Ça fait un an, tu ne le dis pas. Il dit, va se construire. Tu dis, attends. Ta femme te dit, vraiment, il nous faut une petite maison, la retraite arrive, tu dis non, Dieu au contrôle. Quand tu fais ça, tu la mets dans l'insécurité. Et ça peut être vice-versa. Alléluia. Donc, les besoins doivent être traités en comment vous vous asseyez et vous travaillez dessus. Parce qu'il ne faut pas que l'ennemi utilise ça pour vous séparer. Que ton mari est négligent, ou ta femme ne me comprend pas, ma femme ne me comprend pas. Et vous travaillez sur vos besoins. Il y a des choses qui ne te disent rien, mais n'impose pas ça sur l'autre. N'impose pas, ne dis pas, il faut laisser ça. Il faut écouter. Parce que c'est selon la hiérarchie des besoins, là, il y a encore un vide dans ce domaine. Est-ce que nous sommes ensemble? Tout ce qui maîtrise les besoins, pas qu'ils répondent à tous les besoins, ils les maîtrisent. C'est-à-dire qu'ils savent gérer ça. Ils n'ont même pas les moyens, mais ils savent aborder ça. Ils vont vivre tranquille. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent, mais la manière de vivre effraie le conjoint. Ta manière de gérer, il se dit que celui-ci-là, quand l'argent là, va finir, on va faire comment? Et tu dis, attention, l'argent peut finir. Et tu dis, non, je serai au contrôle. Et quand ça finit, je t'avais dit, la crise commence. Non, fais-moi confiance. Dis que je t'ai toujours fait confiance. C'est toujours gâté. Quand je te fais confiance, rien ne change. Alléluia. Amen. Il faut vous asseoir, vous maîtriser. Vous maîtriser. Même les besoins concernant l'œuvre. Même si tu es dirigeant, il faut écouter les craintes. Parce que ta femme sait que si tu tombes, elle tombe. Tu es élevé, elle est élevée. C'est une relation très sérieuse, le mariage. Il y a une sorte de contrat, mais c'est un contrat qui n'est pas visible. Quand les gens veulent même se marier, qu'est-ce que vous remarquez? Quelqu'un peut vivre dans l'immoralité pendant 20 ans. On ne dérange pas. Il a des parents, il ne lui demande rien. Dès que la personne dit, je veux me marier, tout le monde commence à dire c'est qui. Tout le monde commence à dire fais attention, frère. Quand tu pratiques l'immoralité et la prostitution, personne ne te dit fais attention. Dès que le temps de prendre une ou un arrive, tu as des conseillers et des conseillers authentiques. Donc ça veut dire que le mariage est social. C'est une relation conjugale, mais c'est une relation sociale. Ça implique la société. Si tu es dans un village, chaque villageois dit son mot. Et puis, ils disent que c'est leur femme. Oui. Tout le défilé des prostituées, là, ça ne leur dit rien. Mais la femme, quand tu dis « je veux l'épouser », ils ont un mot à dire.
quand tu essaies même de violer, tu sens les obstacles. S'il y a des réunions, il y a des plaintes. Tel t'appelle à l'écart, il te parle. Ça veut dire que le mariage est un grand contrat. Alléluia. Donc, il faut maîtriser tout ce qui peut vous diviser. Et au niveau où nous sommes, nous parlons des couples qui vont nous aider à stabiliser l'œuvre, à vivre la croissance. Tout ce qui peut diviser, là, il faut enlever ça. Il faut avoir des temps de partage. Et une chose comme la vision, l'homme doit étudier la vision. Parce que la vision s'étudie. Quand on dit la CMCI, comment elle fonctionne? On étudie comment elle fonctionne. On étudie comment on amène les gens à la repentance. On étudie comment on amène les gens à la consécration. On écoute les messages, on étudie. Ça fait que quand vous êtes en famille, vous pouvez vous aider. La femme peut te dire que selon notre vision, ce que tu fais là n'est pas bien. Si tu l'étouffes, même si on ne te demande rien, tu as déjà perdu. Tu as perdu un élément. Quand le temps de construire arrive, c'est un besoin de sécurité. Mais vous vous asseyez, vous analysez comment vous allez arriver. Alléluia. Est-ce qu'on prend un prêt? Est-ce qu'on vend un terrain? Est-ce qu'on aura même un jour les moyens pour construire? Sinon, comment on va gérer notre vie? Parce que Dieu n'a pas voulu qu'on ait les moyens pour construire. On passe la retraite où? À Abidjan ou bien au village? Et encouragez-vous à avoir la vie du faisant de disciples. Parce que nous sommes une œuvre bien organisée. C'est-à-dire que chacun a un conseiller, au moins un conseiller, qui s'appelle ton faisant de disciples. Alléluia. D'une façon dynamique. Vous vous asseyez avec lui, vous planifiez. Il peut vous dire de laisser, d'aller au village. Un faisant disciple peut concevoir un plan de réussite pour toi. Il te dit, si tu fais ça, tu vas réussir. Nous étions à... C'était en 2009. Bon, ce n'est pas important, la date n'est pas importante. Nous avions un disciple, le frère Lombé et moi, qu'il fallait aider. Son cas était... Ça, nous étions en difficulté. Et on avait eu 150 000 francs pour l'aider. Pour l'aider avec les 150 000, il fallait qu'elle prenne une chambre à Yopougon. 3 mois. 50 000 francs. Bon, ça dit que rien que la caution déjà, l'argent est fini. Nous lui avons dit, ok. Nous sommes partout dans la nation. Nous allons te donner les 150 000. Mais tu quittes Abidjan. Tu vas à l'intérieur. Elle a obéi. Arrivée là-bas, elle a eu l'âge. Les 150 ont payé la caution. Les 150 ont permis de lancer son commerce. Et au bout d'un certain temps, elle avait plus de 2 millions dans son compte. Donc, on peut réorienter quelqu'un. C'est une chose très sérieuse. Donc, le couple, les vrais à qui là, vous voyez comment ils sont attachés à peau. Il faut éviter l'indépendance. Il faut éviter ça. Il faut que vous ayez un témoignage que vous êtes attaché à telle personne, sérieusement.
de manière à ce que s'il y a un avenir à planifier, que ça se fasse sainement et ensemble. Et vous évaluez. Vous évaluez. Mais tu peux être là et tu perds toute cette intelligence qui pouvait t'aider. Et la vie te surprend, on commence à se demander vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Il y a des gens qui prennent 50 millions. On dit il va à la retraite. 50 millions, on met dans son compte. Après 2, 4, 3 mois, ça finit. Chaque jour, ils prennent. Chaque jour, ils enlèvent. Après, ça finit. Ils n'ont rien réalisé. Il y a un couple, ils avaient vendu deux maisons, 150 millions. Après, c'était quand l'argent finit. L'argent finit. Alléluia. Il faut maîtriser les pressions. Il faut éviter de vivre sous pression. Que il faut, je dois faire comme ça. Et puis, tu dis, je ne paye pas la dîme parce que j'ai beaucoup de besoins. Tu ne paye pas la dîme, c'est fini. Je connais quelqu'un pour l'argent, ils ont l'argent. Ils ont l'argent. Je te dis que voici le salaire là, certains vont dire, Seigneur, pourquoi toi tu ne nous as pas bénis comme ça? Mais difficile. Même la dîme n'allait pas payer. Comment expliquer ça? Ça veut dire que c'est la malédiction. Ils ont commencé par voler la dîme. Dieu a frappé. Et si je te dis le salaire, donc tu vas détruire. Donc, la vie dans le foyer demande que chacun maîtrise ses besoins. C'est des besoins que naissent les désirs, les bons et les mauvais. Dans les besoins, quand on n'a pas maîtrisé les besoins, on ne va pas bien gérer ses désirs. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Je voudrais que quelques personnes. Et là, dans la gestion des besoins, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une intelligence renouvelée. Il faut une nouvelle redéfinition de la vie. C'est pour ça que je prends l'exemple de la personne qui devait quitter Abidjan pour aller à l'intérieur et ramener les millions. Rien n'a changé, on a seulement renouvelé la compréhension de la vie. Il y a des moments, Jésus te dit que la vie est plus que le vêtement. Si tu n'acceptes pas cette doctrine de Jésus-là, tu peux être bloqué pour rien. Il dit le ventre est plus que la nourriture. Jésus veut que tu redéfinisses la vie. Le mariage, c'est quoi? Dans ta tête, quand tu entres dedans, c'était quoi? Certains n'ont même pas pensé à ça. Ils voulaient seulement se marier pour avoir un partenaire sexuel. C'est tout. Quand tu veux parler, je dis, je brûle, laissez-moi, je brûle. Donc, il ne médite pas sur le mariage. Il analyse le feu dans lequel. Après, il se marie. Il n'y a rien à manger. Il y a un frère. Il s'est marié. Il a dépensé plus d'un million 800 000. Un frère pauvre. Mais il a investi 1 million 800 000 et tout. Le mariage est fini samedi. Dimanche, c'est l'adoration. Lundi, il avait 150 francs pour aller au marché. C'est-à-dire qu'en fouillant toute la maison, il a trouvé 150 francs pour donner à sa femme pour aller au marché. C'est lui-même qui rendait témoignage, j'avais pas caché. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Celui-là, s'il était sage, tu prends 2 000 francs, mariage à 4,
Lundi, ils allaient avoir. Lundi, tu as 1 800 000. Mariage à 4 avec les sages qui te disent oublie tout ça. Quand tu dis maîtriser les besoins là, ce n'est pas qu'il faut. Alors, il faut restaurer ton imagination. Quelqu'un dit que le mental est menteur. C'est-à-dire que ce que tu imagines là te trompe. La vie n'est pas ce que tu penses. La vie a une autre logique. Ce qui va te rattraper dans la vie, elle a la vraie logique. Naaman dit que je croyais que quand je vais arriver chez le prophète, il va sortir. Il va agiter la main sur ma plaie, je serai guéri. Il vient, il arrive. Le prophète ne sort pas. C'est un petit qui sort et dit que va te jeter dans le jour. La vie a des règles rigoureuses elle-même. Et on a des problèmes, pourquoi? Parce que quand tu définis donc tes propres règles indépendantes des règles de la vraie vie, c'est comme les vagues de la mer, hein, ça te pousse, boum, ça te chasse, ça te jette au bord. Oui. Gloire à Dieu. Pour appuyer un peu ce que le leader est en train de nous enseigner, on avait gagné un frère qui était un pasteur stagiaire dans une dénomination. Et quand il a cru, là-bas, on le prenait en charge, parce qu'il était pasteur stagiaire, tout ça. Quand il a cru qu'il s'est repenti, il a décidé d'intégrer, évidemment, tout naturellement, les gens l'ont abandonné, l'ont chassé. Et il est venu me voir, on voulait que je le trouve. Un endroit, un frère qui va l'accueillir où il peut habiter. Je lui ai demandé pourquoi, pour combien de temps. Il dit, ne sais pas. Je dis, quel est l'objectif? Je dirais au frère que reçois tel frère dans ta maison, pour combien de temps, pourquoi? Il dit, ne sais pas. Je dis, bon, tu as quel diplôme? Il n'a pas de diplôme. Tu as quel niveau? Il dit, j'ai le niveau 4e. Je lui dis vraiment, là, il faut que tu définisses les choses, parce que si on te garde chez un frère, je vais aller dire quoi, un frère, Abidjan, garde quelqu'un chez toi pour une période indéfinie qui n'a pas d'objectif. Vraiment, c'est difficile. Et heureusement, ce frère a compris. Je l'ai orienté vers son faisait d'ici. Quand il est parti, il s'est entretenu avec son faisait lui a dit, retourne au village. Ça va t'aider. Et il a obéi comme un enfant. Il est parti. Ils sont dans un département. Là-bas, les parents ont la maison, une maison, donc ils ne louent pas la maison. Et il allait s'installer. Comme il aimait Dieu, en allant s'installer, le frère devient, du coup, le premier dirigeant de notre œuvre dans cette localité. Amen. En prêchant l'évangile, tu sais qu'à la CMCI, quand tu aimes Jésus, là, même si tu tombes dans un village, tu vas réussir. Amen. Donc le frère commence à prêcher, gagner les âmes, conduire la porte à baptiser. Du coup, il commence à avoir des disciples, il est devenu le premier dirigeant, l'œuvre a été implantée. Il commence les affaires là. Il prospère. Finalement, il est heureux, il s'est marié, il a acheté une voiture, sa maison est déjà presque finie. Amen. Alléluia. Amen. Donc, en fait, pendant que le parlait, je comprenais que il faut repenser, il faut redéfinir, il faut accepter, comme il dit là, ce que la vie, ce que la vie nous enseigne. Sinon, si tu es bloqué dans tes principes, ce sera difficile pour toi. Tu peux rater certaines choses, même simples. Gloire à Dieu. Amen. Le pasteur avait dit quelque chose avant d'entamer le volet des besoins. On était un peu sur la gestion des crises.
j'ai pas bien suivi lorsque les frères ont acclamé. J'ai pas bien suivi. J'étais en train de réfléchir à la réponse d'une préoccupation quand le pasteur a parlé et que les frères ont acclamé. Je ne sais pas si la réponse a été, c'est la réponse que le pasteur a donnée, que les frères ont acclamé, mais c'est ma question la suivante, c'est de savoir si dans la gestion des crises, si par exemple il y avait une crise à la maison et que vous n'avez pas eu à gérer la crise, est-ce que c'est possible de... Si par exemple il y a une crise à la maison, est-ce que toi qui es la femme, tu peux te donner à ton époux, ou si par exemple tu te demandes d'avoir des relations avec lui pendant que la crise n'a pas été gérée, est-ce que c'est possible d'accepter la requête de ton époux? Parce que là tu es fâché, tu peux pas aller avec lui. Il y a une réponse. Gloire à Dieu. Amen. Elle me met les pasteurs, elle m'a enseigné qu'on ne doit pas dormir avec la colère. C'est vrai, non? Voilà. Et même dans le monde, quand on n'était même pas encore croyant, les parents nous ont enseigné, nos soeurs, que quelle que soit la situation, quand ton mari te demande ça, tu ne peux pas le refuser. C'est vrai, c'est parce qu'on est chrétien. On est dans la foi que lui, il ne peut pas aller se chercher ailleurs. Sinon, si c'était ailleurs dans le monde, voilà ma femme ici, quand je n'étais pas chrétien, je viens, il tape, elle fait, elle dit, bon, je m'en m'accage dans le thé, il y a un petit hôtel à mer. Et puis elle ouvre la porte. Tu vois, si tu ne lui donnes pas, tu peux le pousser à pécher. S'il brûle fort, qu'il n'est pas fort, il peut aller voir ailleurs. Donc quand il te demande, c'est un devoir pour toi de lui donner. Et la gestion de la crise. La crise, ça peut se gérer, mais ça, tu donnes d'abord. Comme le pasteur a dit, tu résous d'abord le problème, et puis après, tu poses le problème de ta crise, ça va se gérer. Pour moi, il faut dire qu'en tant que femme, ce n'est pas facile. Ce n'est vraiment pas facile d'avoir une crise. Moi, comme ça, je joue une parenthèse. Le Seigneur m'a permis, depuis que je suis mariée avec mon mari, je ne lui ai jamais refusé. La seule fois où j'étais fâchée, je voulais utiliser ça pour le manipuler là. Il m'a suivi jusqu'au salon. Gloire à Dieu, on a tourné dans la maison pour finir les CD. Normalement, ce n'est pas bon. En tant que femme, c'est, mais ce n'est pas facile aussi. Il faut le dire que quand, surtout quand c'est les crises se succèdent et qu'on n'en parle pas, ce n'est pas bon. Parce que nous les femmes, on aime beaucoup parler. On n'a pas forcément besoin de pardon, mais au moins on en parle. On dit que telle chose n'a pas marché, telle chose a marché, il ne faudrait pas que ça se répète et puis on avance. Mais quand on fait comme s'il n'y a rien du tout là, ce n'est pas facile. Gloire à Dieu. Amen. Un jour, j'ai écouté un enseignement du pasteur Lénier et il disait que quand tu veux ta femme, tu sais que tu vas la chercher la nuit, il faut commencer à la convoiter pendant la journée. La prière. Il faut commencer à la baptiser, à lui faire la coupe pendant la journée. Et c'est ce qui est bon. Alléluia. Pour moi, je trouve ça inconcevable du fait qu'il y ait une crise. Et venir voir l'épouse la nuit, ou bien ta femme, et lui dire que tu as envie d'elle. Quand il n'y a pas de crise, c'est quelque chose de naturel. Le fait de vous regarder seulement, ça vous attire. Ça vous rapproche. Mais quand il y a une crise, et que la crise n'est pas réglée, et tu viens pour dire que j'ai envie de toi, ça lève beaucoup d'orgueil. Et là même, c'est comme même tu deviens un brigand, un bandit. Donc moi, comme ça, si je sais que le soir, je vais chercher mon épouse, je commence à la chercher pendant la journée.
Je l'appelle régulièrement et puis c'est ce que je fais même. Je l'appelle régulièrement. Soit même il y a des cadeaux. Il fait 10 mois. Et toutes ces choses-là se passent bien. Et comme je sais ce qu'elle aime aussi, il y a des choses que j'ajoute à ça. Alléluia d'abord. J'ajoute ces choses-là à ça. Il n'y a jamais un jour où il y a eu une crise. Et puis je suis venu. Puis je lui ai dit que j'ai envie de toi de façon brutale. Non. J'irai toujours la crise. Parce que je me dis que il faut que, comme le frère disait, c'est de l'art. Il faudrait que nous soyons dans une même pensée, les mêmes sentiments, pour que ce que nous devons faire, on le fait d'un commun accord. Placée dans une telle position et elle ne veut pas, elle te donne comme ça. Et toi-même, tu fais, tu n'es pas à l'aise, tu as envie juste de prendre ton plaisir, tu quittes là. Mais après avoir pris le plaisir, il faut que vous deux, c'est la romance, vous causez. Est-ce que tu as apprécié? C'était bon, bien fait. Si ce n'est pas le cas, c'est du banditisme. Donc, la femme auprès de nous comme aide doit être satisfaite d'abord avant de demander. Quand il y a une crise, viens régler la crise d'abord avant d'aller demander. Parce que ce n'est pas un objet qui est auprès de nous. Ce n'est pas un animal. L'amour suprême pour Dieu, l'amour pour ton frère, ta soeur, ton prochain, ne te demande pas de faire comme ça. Et moi, je n'ai jamais fait ça. J'utilise toujours des astuces. Comme je sais ce qu'elle aime, c'est ce que je fais. Et même s'il y a une crise, je m'arrange toujours à faire de telle sorte que ce qui s'est passé le matin ou la veille, elle soit guérie de ça d'abord, avant de demander aux choses. Parce qu'elle va me donner ça comme ça. Elle me donne ça comme ça, elle n'est pas contente. Mais je veux qu'elle me donne, étant contente, je suis content, on est satisfait. Je peux me coucher, elle met la tête sur moi, et l'autre. Amen. Personnellement, il faut être... Il y a des niveaux, hein. Il y a l'homme animal. Dans le monde, il y a une différence entre ce qu'on appelle individu et ce qu'on appelle une personne. C'est-à-dire un homme normal. Quand vous entendez quelqu'un dire « Sois un homme, mon fils. » Il y a la dimension animale de l'homme. C'est-à-dire que l'homme vit des instincts, des pulsions. Il peut violer sa fille. Il dit « Je ne sais pas ce qui m'arrive. » Il peut coucher avec sa mère. Coucher avec les animaux, ça c'est l'homme animal. Ils peuvent violer une femme, même si tu es malade, viole. Même s'il vient de frapper sa femme, il donne le coup de poing et couche avec elle. C'est l'homme animal pur. Il faut éviter de fonctionner avec la dimension animale. Des instincts, des pulsions. Et tous ceux qui couchent avec les femmes, même si elles sont fâchées, fonctionnent dans le domaine des instincts.
ils ne les aiment même pas. Ils peuvent se masturber, ils peuvent coucher avec un animal, ils peuvent coucher avec une femme en colère, même si tu es déçu. Ça, ce qui compte, c'est leur instinct libidique. Que l'Église ne pratique jamais ce type de sexualité-là. Alléluia. Un homme normal, ce qu'on appelle la personne en philosophie, une personne est ouverte aux autres. Une personne tient compte des règles et des lois. Une personne planifie ses actions, c'est-à-dire qu'il ne se lève pas, il marche comme il veut, il conduit la voiture sans s'arrêter au feu. On dit, c'est une personne, soit un homme, mon fils, soit un homme. Ça veut dire qu'il y a des choses qui enlèvent à l'homme la dimension humaine, c'est-à-dire que l'humanité, ça enlève l'humanité. Tu deviens comme un animal pur. Tu peux lutter avec quelqu'un, tu mords là, tu arraches la chair. Tu peux te vanter, j'ai pu, j'ai vomissé vraiment. On dit, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Un homme normal travaille pour que son esprit s'élève et que ça quitte le domaine de l'animalité. Il devient une personne ouverte. Il souffre. Il peut se donner en sacrifice. Il peut voir un danger et dire aux gens, laissez-moi. Il passe devant. C'est ce que Jacob a fait. Quand Jacob était un individu, là, il met tout le monde devant, il reste loin derrière. Quand il a connu la transformation par le brisement, il est passé devant lui-même. Devant lui-même. Un croyant normal va aimer sa femme. C'est-à-dire qu'il y a une loi divine qui veut que l'homme normal aime sa femme. Nous sommes en train de parler de ça depuis. Une femme normale, si tu ouvres son cœur, elle veut élever son mari. C'est-à-dire, elle reconnaît l'autorité de son mari. Même quand elle élève les enfants, je vais dire à votre père, ça vient comme ça. Si tu vois une femme qui ne tient pas compte de son mari, ne dit pas à la servante que mon mari aime ça, ou bien aux enfants, que votre père, quand il va venir là, vous allez voir, elle n'est pas normale. Une femme normale, et c'est spontané, rappelle toujours l'autorité de l'homme. Je veux dire à votre père. Alléluia. Et quand tu arrives, tu sens comment elle te rend compte de la conduite de la famille. C'est-à-dire qu'elle veut que tu exerces l'autorité. Elle te donne ça. Et elle te consulte. Elle te rend compte. Tu es rassuré. Alléluia. Amen. Et quand ta femme, ce qu'on a dit, pourquoi les gens acclamaient, parce que c'est une question qu'elle a posée. On dit, ta femme dit, l'argent de nourriture est fini. Et tu veux lui parler beaucoup, beaucoup, elle ne comprend pas. Elle te dit que l'argent est fini. Si tu es un bon mari, tu donnes, tu prends l'argent, tu donnes d'abord. Elle va marcher, elle revient. Le soir, après avoir mangé, tu dis, mais tu sais, il me restait 1500. Et la manière dont tu as procédé pour prendre ça ne m'a pas plu. Elle ne va pas discuter. Elle va dire, bon, chérie, pardonne-moi. Je croyais que tu n'avais pas, que tu allais pas me donner tout ce que tu dis, pas de problème. C'est fini. C'est-à-dire qu'il faut, il y a besoin, il n'y a pas d'électricité à la maison, tout ça, tu dis, hé. Hey, parle plus de ça. Dis-lui que je vais trouver une solution. Je n'ai pas d'argent, mais je vois des amis tout à l'heure. Elle reste tranquille. Nos frères disaient que les femmes aiment les hommes qui payent les tortures. La femme n'aime pas l'insécurité.
Quand une barrière arrive, son cœur bat, toi tu es là, tu dis, tu n'as pas de parole, tu as la foi. Et quand la barrière arrive, il frappe, c'est elle qui sort. Ton mari est là. Donnez-moi mon argent, c'est quoi? Quand je construisais la maison-ci, tu devais parler, parler, parler. Donc les femmes n'aiment pas ça. Si nous avons des enfants, ça là, c'est les animaux ici. C'est moins. Quand l'homme se cultive, il écoute le journal, il lit la loi, il écoute les voisins, il va à l'école, on enseigne. Et il acquiert une certaine éducation qui va l'élever et l'amener au niveau de l'homme normal. Ici, il tient compte de la société, des règles. Si cet homme fait des exercices physiques, beaucoup d'exercices, et il peut sauter 5 mètres, il marche sur les cordes, on dit que c'est un surhumain. Ça, c'est son travail. Il peut faire ça pendant 5 heures. Et il peut demander aux gens de venir voir comment il va prester, de payer 5 000 ou bien 25 000. Il fait les choses que les gens appuient. Ça, vraiment. Si cet homme continue à travailler, il prend le chapelet, il tourne. Bien, il récite les sons, sans même conversion, il récite les sons, ou bien il va dans le bouddhisme, on lui montre comment réciter les mantras. Il devient surnaturel. Et s'il n'y a pas de Jésus, il reste là. Son évolution est finie. Si un homme donne la vie à Jésus, abandonne tous les péchés et rempli du Saint-Esprit, il part de là. Il entre dans le domaine spirituel. Il devient un homme spirituel. Parce que le Saint-Esprit l'élève au-dessus de tout. Quand Yogi Show, son livre qui a fait beaucoup de progrès là, qu'est-ce qu'il expliquait? Il disait aux gens que il y a une dimension en dehors du corps, en esprit, qui donne l'autorité sur les trois dimensions. C'est le Saint-Esprit. C'est seulement que quand il parle, tu ne peux pas savoir qu'il parle de Saint-Esprit. Parce qu'il a même recorrigé un peu le livre. Pour rendre ça plus clair. Alléluia. Donc, et c'est ce qui arrive. Tous les enfants de Dieu sont ici. Ils peuvent exercer l'autorité sur tout ce qui est en bas. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Donc, l'autorité là vient du Saint-Esprit. Donc, quand on est égoïste, barbare, ça c'est l'homme animal. Point. Il n'y a pas de commentaire à faire dessus. Si tu es un père, tu appelles tes enfants, tu dis soyez des hommes, les enfants, soyez des hommes. Ça veut dire que dépasser ce niveau-là. Même si vous n'avez pas cru, soyez des hommes normaux, des hommes qui respectent les faits de signalisation, des gens qui disent bonjour à leurs voisins, des gens qui disent à leur espouse, excuse-moi, soyez au moins cela. Ne sautez pas sur elle.
qu'elle dort, je tombe sur elle. Tu dis, tu veux m'échapper.